Il y a Fanfan, mais Fanfan est déjà fermé. Mais la maison est encore là. Ça fait le sage. C'est la rue Le Sage. C'est la rue Le Sage. La date, c'est en 1993. Donc il y a 9 ans. Donc sur la gauche, on voit qu'il y a une yeshiva, une école destinée à l'éducation des jeunes enfants juifs. Et il y a déjà des barrières de protection d'ailleurs, parce que 93, si je ne m'abuse, on est déjà dans le plan Vigipirate. Par contre, la rue n'a pas été refaite, elle est pavée à l'ancienne. Et par contre, ont déjà été posés des arceaux empêchant de stationner sur la droite. Mais sur la gauche, on a encore le droit de stationner gratuitement sur toute la rue, ce qui n'est plus le cas. Donc là, il y a destruction de l'immeuble mitoyen. Il y avait eu un arrêté de péril qui avait été prononcé. Donc la même photo, mais prise d'un peu plus haut. Alors après, on va... Attends une seconde, parce que ça... Attends. On voit bien le panneau interdit de stationner à droite, avec les arceaux, et à gauche, on a le droit de stationner. Et le vitre Le Sage a déjà été démoli. On aperçoit au fond le vieux bâtiment. C'était à l'hiver.